Bonjour, bonjour. Et voici un nouveau tour de magie. Avec trois cartes. 1. Le roi de carreau. 2. L'as de pique. L'as de carreau, excuse-moi. Et 3. Le 9. Une question. Où se trouve l'as de carreau? Ça tombe bien. Quand on mélange la carte, je mélange, je vais me dire qu'elle est là, ou bien là, ou bien là, ou bien là. Il y a deux ici au milieu, hop, ce n'est pas celle-là. À côté peut-être. Ah, pas celle-là. Et où se trouve l'as de cœur? Parce que l'as de cœur, c'est bien l'as de cœur. Application, regardez. Et regardez, parce que vous voyez. Et voilà, l'as de carreau est là, il s'est transphasé. Explication. Comment faire cette magie? À la base, vous devez avoir ces trois cartes-là. Vous devez avoir ces trois cartes-là, donc, qui sont l'as de cœur, le roi de carreau, le roi de cœur, excusez-moi, et l'œuf de pique. Pour ce faire, procédez comme moi. Vous mettez la pointe vers le dessus. Prenez celui-là. Vous allez cacher une balle. Bien sûr, toujours en montrant le 1. Voilà. Prenez l'autre. Cachez une partie. Alors aussi. Toujours bien montrer le coin. Sans montrer ça. Ça, non, tout fait, c'est raté. Comme ça, oui. Voilà, maintenant, alors, et à la fin, vous avez fini votre tour, vous dites, voilà, ben la carte était ici, saisie, la carte était là, et qu'elle s'est transvasée. Merci parce que ça vous a plu, à bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir.